Bonjour, je suis en compagnie de Sandy Grenier-Bouliane, coordonnatrice du regroupement local de partenaires La vie d'enfant 0-5 ans. Bonjour Sandy. Bonjour Nancy. J'aimerais ça que tu me parles des activités. Qu'est-ce que c'est exactement La vie d'enfant? En fait, La vie d'enfant, c'est un regroupement de partenaires, ça le dit de soi. C'est des partenaires qui sont regroupés autour d'une table. Principalement, on œuvre auprès des enfants, des familles 0-5 ans, de la MRC Maria-Chapdelaine, incluant la municipalité là, de Saint-Louis-de-Milo. Donc, on couvre toutes ces municipalités-là. On travaille aussi au niveau là, des environnements dans lesquels les parents, les enfants évoluent également. Donc, c'est vraiment au niveau des communautés, des familles et des enfants. Dans le fond, les différents partenaires qui sont autour du regroupement viennent de différents milieux, que ce soit organisationnel, municipal, communautaire. On a aussi le milieu de la petite enfance, le milieu scolaire. Donc, c'est une panoplie de partenaires qui, ensemble, se mobilisent justement là pour améliorer la qualité de vie des enfants et des familles. Mais c'est aussi principalement pour offrir à chaque enfant une entrée scolaire réussie, puis que le passage d'un milieu à l'autre se fasse bien, puis que ce soit harmonieux. Donc, à tous les années, ces partenaires-là évaluent les besoins du milieu, évaluent les choses peut-être que les personnes ont besoin d'améliorer. Puis, à partir de ça, ils créent un plan d'action pour répondre aux besoins là, de la communauté. Mais par contre, on répond aux besoins, mais en principal, on veut vraiment faire comme un effet de levier pour justement, là, on ne veut pas créer des besoins dans les municipalités ou dans les milieux. On veut vraiment travailler avec les gens qui sont déjà dans le milieu pour faire lever des actions, des trucs qui vont être là pour rester là, à long terme. J'aimerais ça dit que tu me parles des actions que vous faites concrètement dans les municipalités. Oui, concrètement, je pourrais commencer avec Entre parents plus. Entre parents plus, brièvement, c'est des groupes de parents. On va directement dans les municipalités de la MRC parce que ça, c'est un besoin là, qui était ressorti beaucoup, d'avoir des activités directement dans le milieu, de ne pas constamment être obligé de se déplacer pour avoir accès à des services. Donc, avec Entre parents plus, ce qu'on fait, c'est des rencontres de parents d'une durée d'environ 15 semaines. C'est une animatrice qui va accompagner ces parents-là. Puis les parents, dans le fond, ils se mobilisent autour d'un projet commun. C'est eux qui font le choix là, en évaluant là, les besoins de leur municipalité, de leur milieu. Puis après ça, ils se mobilisent autour d'un projet commun pour le mettre en place. Donc, Entre parents plus, c'est un peu ça. On les met en contact aussi avec des organismes du milieu qui sont là pour rester, pour qu'éventuellement, là, ces groupes de parents-là deviennent autonomes, puis qu'ils puissent dynamiser eux-mêmes leur milieu, leur communauté. Donc, si je peux donner quelques exemples là, de Entre parents plus qui se sont comme concrétisés justement autour d'un projet, on a à Normandin la coop Petit Géant, qui est devenu un centre d'amusement intérieur. Ça, c'est un groupe qui a débuté en Entre parents plus. Il y a également à Saint-Louis-de-Milo, qui s'appelle le comité Pirouette. C'est des ateliers psychomotrices pour les enfants. Donc, je crois que c'est deux demi-journées par semaine là, où les enfants ont accès à ce local-là. Ensuite, à Mistassini, il y a déjà eu un projet aussi. Eux, c'était plus au niveau de la sécurité. Donc, ils ont fait la demande pour poser une lumière pour piétons au carrefour Roule-Couche-Tard à Mistassini. Donc, en gros, là, ça ressemble à ça. Il y a d'autres projets aussi qui sont présentement en cours que je vais garder secret pour garder la surprise et la fierté des parents. Mais par contre, c'est ça. En gros, Entre parents plus, c'est à ça que ça sert. C'est vraiment du leadership parental. C'est une place où les parents peuvent prendre place justement pour participer là, à la prise de décision concernant leurs enfants. Outre les groupes d'Entre parents plus, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous posez dans les milieux qui fait qu'il y a un rassemblement chez la population? Un rassemblement, c'est sûr qu'on essaie toujours que ça soit un rassemblement, faire des activités de groupe le plus possible, mobiliser la population. Parce que comme je disais tantôt, notre groupement a une durée de vie limitée, si on peut dire. On a jusqu'en 2019 à travailler avec la population et les partenaires. Donc, on veut vraiment que ce soit des choses qui sont là pour rester. On veut comme donner le petit coup de pouce là, de plus pour que les citoyens se mobilisent. Donc, si je pouvais parler d'autres choses, il y aurait Bibli Magimo qui est présentement en développement. C'est les premières années qu'on le laissait. Bibli Magimo, ça sert à... C'est vraiment là, pour avoir des moments de plaisir partagés par enfants autour de la lecture, mais c'est vraiment là, un moyen là, pour que les parents et les enfants partagent des moments de qualité agréables. En gros, c'est des groupes qui se donnent dans les bibliothèques. C'est trois journées, une semaine à la suite de l'autre. Puis, les enfants ont l'occasion de bouger dans la bibliothèque, découvrir la bibliothèque. On a des chasses au trésor durant ces activités-là, mais c'est toujours des activités par enfant.
Donc, Bibi Magimo, qui est quelque chose qui, éventuellement, on voudrait qu'il demeure dans les bibliothèques, puis que la boîte puisse se promener. Donc, les bibliothèques qui ont des bénévoles qui seraient intéressés à offrir ces activités-là, bien, ça serait possible. Puis, vous avez combien de bibliothèques qui sont actives actuellement? Présentement, on en a une de fait parce que ça s'est concrétisé un peu plus cette année. Donc, cette année, c'est plus des groupes tests, si on peut dire. Le premier qu'on a fait, on a eu 8 parents et 9 enfants, qui est le maximum permis là, pour le groupe. Donc, on est super contents. Ça a super bien été. On a appris des belles choses, mais on voit aussi que ce qu'on avait ciblé fonctionne très bien. Donc, là, cette année, on souhaite là, parfaire un petit peu notre... notre action, puis éventuellement là, regarder de quelle façon elle pourra être appliquée. Vous avez posé une autre action également pour favoriser la lecture chez les tout-petits. Oui, tout à fait. C'est les Croque-Livres. On a fait le lancement il y a quelques mois. Croque-Livres, c'est une initiative qui en est une de communauté. Croque-Livres, c'est une boîte en bois qui est aménagée pour être à l'extérieur. Nous, on a eu le privilège là, d'avoir les élèves de 5e année de l'École Sacré-Cœur qui ont fait les dessins sur les boîtes. Présentement, les boîtes sont situées, il y en a une à Part Ensemble à Dolbeau-Mistassini et une au marché Gagnon Plus d'Albanel. Donc, ces boîtes-là, ils servent justement pour y mettre des livres. Les livres sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les enfants. C'est pour les jeunes de 0 à 12 ans. On essaie là, que les enfants, oui, viennent chercher des livres, les gardent chez eux, en ramènent des différents, peut-être des livres qu'ils n'utilisent plus étant donné l'âge ou des trucs tout simplement que, bon, ils l'ont assez lu. Donc, c'est sûr qu'on privilégie vraiment l'échange de livres. Donc, tu sais, quand on dit « est-ce qu'il est obligé de le ramener? » Non. Puis en fait, on privilégie le fait qu'ils ne le ramènent pas pour justement occasionner un roulement de livres. Parce qu'aux autres endroits, quand ça a peut-être un peu moins bien marché, c'est que les livres étaient toujours les mêmes, puis on perdait l'intérêt du jeune à ce moment-là. Par contre, là, pour l'instant, ils ont été installés, puis on a déjà de très bons résultats. Les croque-livres roulent déjà beaucoup. Pour l'instant, là, ça va très bien. Puis on espère évidemment là, contaminer d'autres milieux parce que des croque-livres, on souhaiterait en avoir dans chacune des municipalités de la MRC. Car les croque-livres, en fait, il y en a un peu partout au Québec. Même quand on part en vacances, puis on a un livre avec nous, puis on souhaite le redonner, que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal, un peu partout, vous pouvez aller sur le site croque-livre.ca, il y a une carte, où tu peux voir le croque-livre le plus près de toi au moment où... où tu as un endroit, donc tu peux aller là, visiter ce croque-livre-là, puis aller remettre un livre et reprendre un autre livre. Donc, c'est sûr qu'on encourage la population vraiment là, à faire des dons de livres. Là. Présentement, aux deux endroits, c'est soit la bibliothèque d'Albanel, soit la Maison de la famille Par Ensemble, ou directement dans le croque-livre, évidemment. J'imagine qu'il y a une participation des bibliothèques qui sont présentes pour s'assurer du bon fonctionnement également. Tout à fait. En fait, c'est ça. Tout le monde peut adopter un croque-livre, que ce soit un particulier, que ce soit un organisme. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Par contre, ça prend quelqu'un qui va en prendre soin, justement, qui va s'assurer que le croque-livre a toujours le ventre plein. Quand je parle de ventre, c'est qu'on aime bien comparer ce croque-livre-là à un monstre qui est avide de livres toujours, il veut toujours en dévorer. Puis on invite les enfants à venir en dévorer à leur tour. Mais c'est ça, ça prend toujours quelqu'un là, qui s'en occupe pour faire le roulement des livres ou pour, si on manque de livres un petit peu, faire des collectes de livres une ou deux fois par année, des trucs comme ça pour s'assurer là, du bon roulement. Parce que le croque-livre, au départ, c'est un projet de collectivité. Donc, on souhaite que la communauté s'y identifie, puis qu'elle en prenne soin là, à l'année longue. Outre l'éveil à la lecture, la vie d'enfant a décidé de développer, d'aider les parents à développer leurs saines habitudes alimentaires. Donc, vous avez mis sur pied un autre type de projet dont j'aimerais que tu me parles aujourd'hui. Oui, en fait, on parle ici d'Échangeons tout en cuisinant. Échangeons tout en cuisinant, qu'est-ce que c'est? Ça fait 4 ans qu'on y travaille. Ça a été un projet avec plusieurs partenaires. On a eu des personnes du C3S, on a eu personnes de la commission scolaire. Il y a eu toi aussi là, qui a travaillé avec nous sur ce projet-là. Il y a eu plusieurs personnes qui ont mis la main à la pâte. Il y a eu plusieurs outils aussi qui nous ont été partagés. Oui, on a réussi à faire ça, ce projet-là, mais on n'est pas parti de rien. On est parti de professionnels qui connaissaient le sujet, mais aussi d'outils qui avaient déjà été faits ailleurs, dans d'autres milieux. Par contre, après avoir survolé tous ces outils-là, on s'est rendu compte qu'ils étaient peut-être pas tout à fait adaptés à notre réalité ici. Donc, on est parti de ces outils-là pour en créer un qui maintenant s'appelle « Échangeons tout en cuisinant ».
Quand on regarde le titre, évidemment, on cuisine, mais aussi ce qu'on veut faire, c'est beaucoup d'échanger, que ce soit d'échanger justement au niveau de la saine alimentation, au niveau des trucs, au niveau des défis que les parents peuvent rencontrer aussi. Mais au niveau d'une panoplie là, de discussions, on sait très bien dans une cuisine avec 4-5 personnes, les discussions peuvent facilement... Là, ça facilite justement les échanges là, autour de la vaisselle ou autour de la popote, comme on sait dans nos maisons. Donc, c'est un peu par ce principe-là aussi là, qu'on a souhaité là, faire échanger les parents, tout en justement parce qu'il y a une espèce de préoccupation aussi au niveau de la saine alimentation, au niveau des recettes qu'on présente. C'est vraiment, je pense que nos préoccupations principales ont été la saine alimentation, mais aussi cuisiner à faible coût, puis de faire participer les enfants aussi là, à ce processus-là. Donc, Échangeons tout en cuisinant, c'est une série d'ateliers culinaires qui est présentée directement dans les municipalités. Oui, tout à fait. Vous avez visité quelle municipalité jusqu'à présent? Présentement, on est allé à Girardville, on est allé à Normandin, on est allé à Albanel, on est allé à Saint-Augustin. Est-ce que j'en oublie? Je croirais que non. Mistassini. On est allé à Mistassini aussi. Je pense que ça fait le tour. Mais principalement, là, c'est les endroits qu'on a visités pour l'instant. Et ça s'adresse à quel enfant exactement? C'est les enfants de 3 à 5 ans. Évidemment, on dit 3 à 5 ans, mais souvent, il y a des références qui se font. Si l'enfant a un peu moins de 3 ans ou un peu plus de 5 ans aussi, il y a possibilité là, d'être flexible à ce moment-là. On y va vraiment avec les compétences de l'enfant, puis les compétences du parent aussi. Souvent, c'est les parents qui vont vraiment décider si l'enfant est capable là, de suivre avec nous là, pour les ateliers. Donc, normalement, c'est aux alentours de 3 à 5 ans. C'est des mamans, c'est des papas. On a même eu des grands-mamans qui sont venues avec leurs enfants, des tantes, des oncles avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, évidemment. Donc, c'est vraiment là, au niveau là, de la saine alimentation, tout ça. C'est pas obligé d'être papa-maman. L'important, c'est d'avoir une diade adulte-enfant. Okay.
Moi, mon plan, c'est d'être capable d'en mettre de côté. Moi, mon plan, c'est de travailler encore longtemps. Ça me garde jeune, et en plus, j'y gagne. Moi, mon plan, c'est d'en faire un peu plus pour aider ma famille. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan. Ensemble, on fait avancer le Québec. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions. Lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service.